allait le surprendre. On allait réduire ensemble. Bien, c'est le Cameroun que je suis venu défendre. Vous voyez comment la Serbie a été surprise. Le Cameroun est un pays qu'on ne méprise pas. Et surtout, tout le monde maîtrise ça. La Serbie est venue avec beaucoup d'arrogance. Mais on a égalisé tous les buts avec beaucoup d'élégance. Maintenant on m'interviewe et moi je parle avec éloquence. Mamana konolinga c'est RFI. À nous écoutez mes mélodies. Serbie ne va jamais nous oublier. Le Brésil ne nous a pas oublié. L'Argentine ne nous a pas oublié. La Serbie ne pourra pas nous oublier. Voilà. RFI, si vous avez des questions, moi je réponds à chanson. La qualification est certaine. Parce que c'est le courage et la victoire qui coulent dans nos veines. Soyez inspirés, posez des questions. Le Brésil, quand même. Le Brésil, on a déjà battu cette nation. Donc, c'est pas la première fois. On va le faire encore une seconde fois. C'est le meilleur 10 au monde. Je vous assure. C'est sur lui qu'on pointe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? RFP, moi je suis prêt. Naïf. Le prénom? Vanister et Nama. Je viens du Cameroun, dans un village qu'on appelle Akonolinga. Ananini, Naou. Impossible. Impossible n'est pas Camerounais. Ah, tout le monde le sait. Je vous le répète. RFP, posez encore des questions. Moi je vais répondre en improvisation. Merci. Merci à vous.